Bonjour tout le monde, ici le prof et bienvenue à cette nouvelle vidéo tutoriel sur le dessin. Aujourd'hui, nous allons faire un exercice pour apprendre à réaliser des montagnes réalistes. Et je dis bien des montagnes parce qu'étant donné pour créer un effet réaliste, il faut éviter d'avoir uniquement un plan. C'est pour cela que je vous dis des montagnes. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà débuté en faisant deux montagnes assez rapprochées, des montagnes au centre et beaucoup plus loin d'autres montagnes. En passant, vous pouvez voir dans la vignette l'image que je me suis inspirée. Je n'ai pas reproduit l'image, je me suis inspiré, grandement inspiré, mais inspiré pareil. Okay. En ce moment, ce que je suis en train de faire, c'est simplement placer quelques formes triangulaires pour m'aider au niveau des sapins. Parce qu'on s'entend que si vous faites des montagnes, la dernière chose que je veux voir, c'est les montagnes en forme de fesses. Hein? Oui, les montagnes en forme de fesses, c'est les deux montagnes, là, les deux courbes arrondies là, qui se croisent là, au milieu. Puis, moi, j'appelle ça des montagnes en forme de fesses. Parce que c'est seulement bien droit. Une montagne bien droite comme ça n'existe pas en tant que telle, à moins de l'avoir créée par l'homme. Mais nous voulons des montagnes créées par la nature, hein, des vraies montagnes avec du relief, des effets de pierre et tout ça. Là, ce qu'on voit, c'est surtout que je suis en train de mettre quelques détails. Il faut bien comprendre que les premières montagnes, le premier plan, hein, où ce que j'ai mis des sapins, les sapins, ou les conifères, peu importe, pin, sapin, épinette, ou même feuillu, il n'y a pas de problème. C'est vous qui décidez. Mais moi, j'ai choisi cette image parce qu'on voyait quand même que la montagne avait une végétation. C'est bien important, la végétation. Une montagne, c'est pas dénudé d'environnement. C'est simplement une montagne, c'est un relief d'un endroit précis. Et cet endroit-là peut être occupé par de la végétation, par de l'eau, par des habitations, peu importe, c'est vous qui décidez. Mais dans ce cas-ci, l'exercice se concentre surtout sur les montagnes. Comme vous voyez, en ce moment, les montagnes que je suis en train de faire, c'est des montagnes en pierre. Hein? Il n'y a aucune végétation, étant donné que si vous regardez bien l'image que j'ai choisie, vous allez voir que ces montagnes-là, c'est des montagnes très, très, très éloignées, très, très hautes aussi. Et étant donné qu'ils sont en hauteur, il fait beaucoup plus froid, tellement froid qu'il n'y a pas vraiment de végétation qui s'y trouve. On va plutôt retrouver de la roche et peut-être de la neige, et surtout de la neige. Peut-être un peu de lichen et tout ça. Là, je déplace un peu ma feuille parce que je me suis rendu compte qu'on était plus ou moins bien centré. Fait que, vous voyez, faut toujours y aller délicatement au début, avec les lignes de dessin délicatement, dans le sens que j'y prends toujours le crayon le plus pâle pour faire la forme. Et après ça, je reviens avec un crayon un peu plus foncé pour ajouter soit des ombres, soit des textures. Dans ce cas-ci, je fais la texture de nos différents conifères, un exercice justement qu'on avait fait avant. C'est que là, on en fait des plus petits, mais on essaie de bien sûr de créer cet effet-là. Il faut éviter le classique sapin de Noël, hein, fait avec des petites pointes. Là, ça, si vous faites ça, vous êtes vraiment pas. vous avez vraiment pas bien réussi parce qu'on essaie de créer un effet réaliste. On n'est pas en effet cartoon, bande dessinée ou manga à la limite. Fait qu'on essaie d'être le plus réaliste possible et de dessiner ce qu'on voit. C'est pour ça que j'appelle la plupart du temps ça du dessin d'observation. Et il y a plusieurs chefs-d'œuvre de l'art en peinture qui se sont faits uniquement par dessin d'observation. Hein? L'artiste était dans son petit loft, qui était aussi son atelier, regardait à travers la fenêtre et voyait le paysage. Dépendamment, il y avait peut-être Florence devant lui, puis il reproduisait la ville de Florence. Et ça donnait des chefs-d'œuvre qu'on voit souvent. Hein? Fait que ça dépend toujours des moyens. Et il y en a d'autres, ben c'est des cris. Hein? Si on pense à Salvador Dali, tu peux pas observer puis reproduire ça parce que c'est tellement surréaliste que tu peux
pas. Ça n'existe pas. Ça vient vraiment de son imagination pure et dure. Mais là, on s'éloigne, les amis. Ça fait que, comme vous voyez, je fais choses extrêmement importantes. Peu importe la forme de la montagne ou de l'endroit où vont se retrouver la végétation, faites en sorte de faire toujours vos lignes bien verticales. En tout cas, le plus vertical possible. Ils ne sont peut-être pas parfaites, mais c'est extrêmement important. Il faut pas. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut éviter de mettre la ligne parallèle, non pas parallèle, excusez, perpendiculaire à la surface du sol. Parce que on aurait tendance à s'influ à mettre une ligne droite ou plutôt perpendiculaire au sol en pente. Ça veut dire que la ligne serait plus verticale, elle serait en diagonale. Parce que le sol est en diagonale, mais on le met en perpendiculaire, ça fait un autre diagonale dans l'autre sens. Ça, c'est une erreur qui peut arriver pour bien des éléments, surtout quand on parle de perspective, mais là, on n'est pas encore rendu là. On est loin de là. Ça fait que, comme vous pouvez voir, chose ici que je fais, c'est ajouter un petit peu de relief. Et le relief, l'effet 3D, l'effet de rondeur, c'est en ajoutant de l'ombrage. Quelque chose que je vous ai déjà dit auparavant, que je répète. Mais c'est comme ça qu'on apprend à dessiner en utilisant toujours ces techniques-là. Observation, on fait les lignes de contour, on conserve les proportions. Après ça, on observe à nouveau, on ajoute les ombres et les lumières, et on observe toujours et on ajoute les textures. C'est dans l'ordre que j'ai. Là, vous voyez, j'ai pris un crayon quand même assez foncé. Malheureusement, j'aurais peut-être dû prendre un 2B au lieu du 4B, parce que ça allait extrêmement vite pour les ombres. Les ombrages, excusez. Mais c'est pas si grave que ça. Mais on s'assure toujours de faire en sorte qu'il n'y ait pas de portions blanches. Hein? Parce que le blanc, tant qu'à moi, c'est. Oui, c'est bien si on l'ajoute, le blanc. Mais normalement, les objets ont tous une couleur. Et cette couleur-là, quand on va en ton de gris, ben ça donne un gris foncé, un gris moyen, un gris pâle, peu importe. Mais il faut quand même être capable de l'interpréter. Ce que je fais en ce moment, c'est j'utilise mon estompe et en même temps, j'en profite pour redonner des petits coups de ligne de manière verticale pour créer un autre effet de profondeur en rapport à nos arbres qu'on retrouve, nos conifères. En fin de compte, c'est un exercice sur la montagne, mais j'aurais pu dire aussi c'est un exercice pour faire une forêt, tu sais, quand on y pense. Parce que la texture de la montagne, c'est une forêt de conifères. C'est son revêtement. Et au contraire, dans la montagne éloignée, qu'on voit dans le fond que je suis en train de travailler, c'est des montagnes en pierre. Fait qu'il faut vraiment bien exploiter l'effet rocailleux. Ce que j'ai pas tout à fait encore. Vraiment faire des lignes, des angles un peu plus carrés, là, dans le sens que c'est moins. Organique, moins arrondi, c'est beaucoup plus cassé, c'est de la roche. Hein? Et voyez, on utilise l'estompe au maximum, vraiment, on en met le plus qu'on peut. C'est toujours très important d'avoir un bon cahier à dessin, un bon papier surtout. Si vous pensez acheter un cahier à dessin au Dollarama, exemple, comme ce que j'ai fait, ça, c'en est un. J'ai dépensé peut-être 3 $. Malheureusement, ce qui arrive, moi je l'ai acheté parce que je voulais un grand format pour mieux capturer, mais ce qui arrive, c'est que la qualité du papier est très médiocre. Fait que quand on utilise beaucoup l'estompe, à un moment donné, la particule, mais c'est pas particule, je veux dire, le papier en tant que tel, là, ça, il s'effloche un peu, il vient que ça fait des petites boulettes de papier. La pulpe, oui, le mot que je cherchais, pulpe du papier. Fait que c'est pas un bon papier en tant que tel. Fait que si vous voulez vous acheter un cahier à dessin, moi je vous conseille fortement de dépenser un peu plus. Pas exagérer non plus. Allez pas payer 50$ pour un cahier à dessin, là. À moins qu'il soit vraiment extraordinaire, là. Mais moi, je vous conseille de dépenser un petit peu plus d'argent pour que ça vaille vraiment la peine. Ça fait que ça, c'est bon pour ça. Mais vous voyez, là, je retravaille un peu plus les montagnes. J'essaie de faire ressortir ces lignes
brisé, hein, si on peut dire, en rapport au niveau de la roche. J'essaie aussi de bien cerner les ombres, parce qu'étant donné que j'avais déjà prévu que les ombres allaient être à gauche de la montagne pour créer toujours cet effet de 3D, de perspective, cet effet que l'élément ressort parce qu'on met un côté sombre et un côté éclairé. Ça nous aide beaucoup. Malheureusement, là, je suis comme mis j'étais, là, j'étais dedans. J'étais dedans là, pour que je prenne le carnet à dessin et que je le mette de travers de même. J'ai carrément oublié la caméra. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais à un moment donné, quand tu t'en rends compte, tu dis, OK, ouais, papa, les petits amis, ils vont avoir de la misère à suivre si je te croche comme ça. Fait qu'on retouche légèrement les contours. Moi, je vous le dis, je fais avec vous, je n'ai pas inventé le dessin. J'ai carrément pris une image qui m'intéressait sur le net. C'est une manière de fonctionner. Personnellement, moi, je m'inspire beaucoup de ce que je vois. C'est sûr que j'aurais pu créer de ma tête. J'aurais été capable. Je dis pas que je suis pas capable, c'est pas ça. Mais des fois, quand l'idée, quand le sujet visuel tu regardes te plaît, tu dis, il me reste juste à sortir mon talent de dessinateur et de reproduire le mieux que je peux pour ça. Fait que quand le sujet est bon. Après ça n'empêche pas d'ajouter des variantes à ton propre projet. Tu pars d'un sujet X que tu trouves intéressant. Comme parce que dans la photo, il y avait plein de petites cabanes de maison. Là, j'ai pas mis de maison, c'était pas l'objectif. Tu sais, j'ai quand même investi 40 minutes à faire le dessin. Puis tu sais, je sais que je dessine quand même assez rapidement. Fait que là, s'il avait fallu que je rajoute des petites maisons, ça aurait été un petit peu plus long. Hein. Puis c'était pas le but de l'exercice. On n'est pas rendu encore à la structure 3D pour l'instant. Et je dis bien pour l'instant. Fait que là, on continue à travailler avec l'eston. On reprend le crayon. C'est toujours un éternel combat entre l'eston, le crayon 2B, le crayon 4B, même le crayon HB. Si on en revient, on refait des petites retouches, on en remet l'eston. Mais il faut juste s'assurer de bien réussir à faire la forme de notre montagne en lui donnant des angles. En plus, un petit truc que je donne des fois à des élèves, c'est si tu veux faire le test, mais ça reste personnel, au lieu de prendre sa main qu'on sait bien, admettons, moi je suis droitier pour dessiner, ben je pourrais prendre ma main gauche et faire le contour des montagnes. Et étant donné que c'est à moins d'être ambidextre, là, ça ne marchera pas le truc. Mais étant donné qu'on n'est pas très habile avec notre main, on va dire qu'on ne se sert pas souvent, là, pas souvent dans le sens pour dessiner, si on est ma main gauche dans ce cas-ci pour dessiner, mais il y a plus de chances à être moins précis. Mais pour les montagnes, c'est spécial, mais ça fonctionne bien parce que ce petit manque-là, ce petit tremblement de main ou ce petit inconfort ou de manque de confiance fait que les lignes sont pas parfaites et ça fait une petite ligne plus ou moins. T'sais, on la contrôle pareil la ligne, mais pas parfaitement. Et ce petit manque-là, on dirait que ça aide justement à faire ces petites lignes de relief qu'on pourrait décider de faire pour une montagne. En fin de compte, en d'autres mots, pour faire un effet de relief de montagne avec plein de petits effets de craquelure, ben de craquelure, de relief instable, hein, de plus naturel, en place de faire le cercle, la demi-sphère, hein, ou la ligne courbée unique qui se croise puis qui forme une montagne. Bon, on prend sa main qu'on sait moins bien dessiner juste pour faire la ligne de contour et cet effet d'être instable va créer des petites erreurs simples mais efficaces qui vont nous donner l'impression de relief de montagne. C'est ce que je voulais dire. Fait que on revient bien sûr avec le crayon, on vient toujours. Hein. Des fois on dit ah, c'est terminé, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Hein, on faut continuer. Moi ce que je vous demande, le minimum de travail pour réaliser une chose comme ça, c'est 1 heure. Ça c'est le minimum. Si vous mettez en bas d'une heure, ben, de un, vous n'avez pas respecté cette consigne-là. Hein? Ça, c'est déjà une mauvaise chose. Et, ben, de deux, c'est ça, hein? Vous ne l'avez pas respecté.
Non, mais à fin de compte, c'est ça peut paraître beaucoup, 1 heure, là, mais pour créer un dessin intéressant, comme je vous l'ai dit, lui, moi, j'ai investi 40 minutes, puis je dessine quand même assez rapidement. Fait que si j'avais pris un petit peu plus mon temps, c'est facile, facile, je dépassais l'heure. Facile, c'est sûr. Fait que ça, pour un bon résultat, il faut mettre de l'énergie, il faut investir du temps. Ça, c'est comme dans n'importe quoi. Puis en plus, la part du temps, ceux qui ont vraiment investi l'heure, et plus, hein, parce que je sais qu'il y en a qui mettent plus qu'une heure, et ça, il n'y a pas de problème là-dessus, même si c'est fortement conseillé, ça arrive. C'est votre choix. Ben, ça paraît, ça fait juste paraître. C'est un beau résultat. Puis l'affaire qui est avantageuse, on va dire, avec les paysages, dans ce cas-ci, les montagnes, c'est difficile à manquer si votre sujet est bien réalisé. Je veux dire, si votre sujet est beau, vous avez votre image est belle, si vous faites attention, vous êtes capable de le bien réaliser, vous placez les bonnes textures, les bons ombrages, vous faites les bonnes proportions, ça va bien passer. Ce qui n'est pas toujours le cas avec les visages, parce qu'un visage, je veux dire, tu mets un œil croche ou il louche un peu, puis ça le rend déjà laid, même si c'est 2 yeux, un nez, puis une bouche, puis des cheveux, puis des oreilles, là. Mais un paysage, c'est difficile de dire, oh, cet arbre-là est laid. Tu sais, je veux dire, l'arbre, il y a une forme d'arbre, il y a une forme d'arbre, c'est correct, là, tu as respecté la forme, mais je veux pas dire, oh, la branche, elle croche, il est laid, là. C'est pas pareil, tu sais. Un paysage, normalement, si on travaille bien, ça reste un beau paysage. Ceci étant dit, comme on peut voir, j'ai continué à travailler et j'ai décidé de mettre de l'ombrage dans les. Ben, le fond, faut comprendre que c'est plusieurs plans. OK? Ça, c'est la première chose. On a le premier plan, on a le plan intermédiaire, puis on a le dernier plan. Hein? Le plan intermédiaire, c'est le plan du centre. Ça fait que pour. Si on marchait, admettons, là, on est dans cette montagne-là, si on avait tendance à marcher, ben, la première montagne nous prendrait peut-être 15 minutes de se rendre, 15-20 minutes. La deuxième, une demi-heure, 1 heure, ou je dirais plus 1 heure. Puis en haut de la troisième, ben là, je pense que ça prendrait une demi-journée, puis même déjà une journée. Parce que là, c'est extrêmement haut, extrêmement loin. Okay? Ça, c'est bien important. Mais pour créer aussi cet effet de profondeur, ben, il faut jouer un petit peu avec les contrastes. Fait que j'ai essayé de faire en sorte que le bas de la montagne, la plus éloignée, soit un petit peu plus foncé, surtout dans le creux. Pour donner l'impression que le soleil ne se rend pas tout à fait non plus. Hein? Puis en même temps, elle qui est au plan intermédiaire, bien, je me suis assuré de mettre un petit peu plus donc en dessous, puis laisser un petit peu plus de lumière au-dessus. Et la finition, bien, pour moi, c'est vraiment à la fin que j'utilise l'efface. On peut l'utiliser avant, il n'y a pas de problème, là. Mais moi, j'aime bien l'utiliser à la fin, juste pour faire ressortir le petit effet lumineux de nos montagnes. Toujours en enlevant, bien sûr, les résidus de gomme à effacer. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Et moi, c'est ça. Ça, c'est comme. Ah, ça rajoute le petit punch que j'avais besoin. Subtil, subtil, mais. Et en même temps, on ajoute. Ben, la dernière fois. Ben, pas la dernière fois. L'avant-dernière fois, j'avais fait ça à l'intérieur de mon arbre, mettre un petit effet lumineux, un petit effet de lumière. Fait que là, je me suis amusé un peu à faire, essayer de faire encore un petit effet de. C'est comme si le soleil passait légèrement à travers la montagne pour les rayons du soleil. Hein, pas le soleil ne passe pas à travers, c'est les rayons du soleil qui passent à travers. Mais la lumière, c'est jamais évident à travailler parce que c'est vraiment c'est de la lumière. Ça veut dire que c'est de la lumière, c'est du blanc. Fin de compte, je dessine pas le soleil, je l'efface le soleil. Hein, je l'ajoute en enlevant du pigment. Fait que j'ajoute de la lumière, c'est ce que je fais. Fait comme ceci. Techniquement, j'aurais dû arrêter ça là, mais regarde, ça là, ce que je suis en train de faire là, j'aurais plus ou moins, je sais pas. Sincèrement, je pense que j'aurais pas dû rajouter juste ce petit bout-là. C'est pas grand-chose, là, mais j'aurais. Semble que mon effet de soleil est moins présent à cause de ça, mais en tout cas, c'est pas plus grave que ça. Ça fait qu'on rajoute un petit peu de lumière au niveau des sapins. Quelques endroits juste subtils pour.
créer un petit effet de contraste encore, mais ça, c'est pas. On en met à peine, très, très, très peu. Et il reste à signer, bien sûr. Là, je fais ça pour la photo, là, mais on s'en fout, là, et à fin de compte, on signe le dessin et on peut dire que c'est complet. Ça fait que c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Et le prof vous dit à la prochaine vidéo.